Bonjour. Comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette machine André Lecomte à L5. Je l'ai confiée à mon ami JPB qui, a priori, me l'a retapée. Je constate malheureusement qu'avec mon petit compresseur, je n'arrive pas à atteindre une pression de service supérieure à 200 grammes et à cette pression, la machine ne tourne pas. Autre point amusant que je reconstate à nouveau, même quand je bouche l'échappement, j'entends une fuite. Et a priori, on l'a pas trouvé, on l'a pas vu. Je vais vous montrer quand même que cette machine bouge, cette fois-ci. Je pince le tuyau. Je laisse monter la pression de service jusqu'à environ 1 bar et demi. Et à ce moment-là, je lâche. Raté. Voilà, elle bouge. Elle bouge jusqu'à 500 grammes. Je recommence. Je pince le petit tuyau, j'ai pas beaucoup d'air. Je monte à presque 2 bars, je lâche. Et vous voyez, la machine veut bien bouger quand même. Alors je vais essayer dans l'autre sens maintenant. Donc poum, toujours ce bruit bizarre de fuite. Il y a un petit point dur là, je sais pas pourquoi. Là, j'ai un point dur. Je sais pas si c'est un point haut, point bas, mais en tout cas, j'ai un point dur. La machine a été retirée, entièrement démontée et remontée, donc on peut imaginer que tout ça va se roder. Je repince. J'essaie de monter péniblement à 1 bar et demi, 2 bars. 2 bars. Donc, a priori, il tourne dans les deux sens. Le prochain exercice consistera pour moi maintenant. Donc vous voyez, sur 200 grammes, bah, il n'est pas comme certaines de mes autres machines. Il ne tourne malheureusement pas avec ses 200 grammes de filet d'air. Et là, je vous le dis, j'ai un petit point dur que je vais regarder la vidéo. Mais j'ai l'impression que c'est sur le haut. Non, c'est sur le bas de celui-là. C'est sur le bas de celui-là. Là, ça passe. Donc c'est bien sur le piston ici que j'ai un point dur en bas. Un petit point dur. Bon. On va voir que si tout ça se fait, si le jeu veut bien. Mais encore une fois, si vous les spécialistes de la vapeur, vous pouvez m'expliquer, alors que je ne ressens pas le courant d'air, je bouche ici et j'ai l'air qui s'échappe de quelque part. Bon, je pense que la vapeur nous montrera mieux. Il veut bien bouger, il voudrait presque bouger, hein. Vous voyez, il veut bien faire un demi-tour là. Hop. Donc il y a du mieux. Mais bon, on va le retester à la vapeur pour voir ce que ça donne. Au revoir les amis.